Et donc dans un premier temps, la petite tartelette émulsion de betterave et betterave shoga. La petite sucette de nougat de chèvre de la région. Juste ici, on est sur le petit croustillant, donc tapioca et encre de sèche avec la petite crème d'avocat et saumon fumé maison. Et juste à côté, le tartare de bœuf à la citronnelle, donc avec le petit palais de sablé parmesan. Bonne dégustation. Merci. Mesdames, messieurs, pour accompagner, vous avez ici donc deux beurres barades de la maison Bordier à Saint-Malo, un demi-sel et un aux algues, et pour accompagner le pain de la boulangerie de Condé-sur-Beuvron. Amuse-bouche, le chef propose un gaspacho de tomates et fraises agrémenté de la poudre d'olive noire et crunchy de quinoa. Bonne dégustation. Si vous découvrez les langoustines du Guy de Vinec, juste saisies avec la flotte de courgettes farcies d'un condiment ficelle de chèvre, vous retrouvez également l'émulsion de bouillon d'herbe pour accompagner. Les racks, c'est surtout passé à l'induction, je te raconte pas. Non, mais ça change la vie. Moi, je pensais pas au début. Ah, mais... si, t'as moins de chaleur. Ouais, bah, complètement. T'as une petite chaleur résiduelle. Mais, ah, puis avec les chaleurs qu'on a maintenant en cuisine. Ah, non, non. Ça change la vie. Ah, oui. Même pour le service, hein, pour snacker. Non. Pour pas des poils partout. C'est aussi rapide que le gaz. Ah, oui, complètement, oui. Donc, après, pas de problème. Hein. Ah, c'est la pleine saison des homards. On peut se dire, on est plein dedans là. C'est à peu près 3 mois, juillet, août, septembre, non? Ouais, octobre encore un petit peu, ouais. La hausse c'était la même? La hotte c'était la même, ouais, on la stick tout le temps, on la refait, on la nettoie à fond tout le temps, donc toutes les semaines. Ça rudement bien là ton petit tartare de bœuf dans les... Ouais, on a changé les apéros là il y a 3 semaines, là, oui. Ça, on essaie de les changer aussi, c'est comme une carte, faut les changer quand même. Rudement goûteux. Myrtille? Non, on est sur du cassis. Cassis? Ouais. Il y a un petit peu d'astringence, on le fait cuire légèrement, mais alors une minute avec un peu de Porto. Juste un tout petit peu, là, une petite purée de haricots verts. Petit haricot vert. Ça c'est des produits de région, là cette année je suis passé vraiment chez Légumes d'Héricroix, vraiment plus local tu, on va dire. Tu te fournis pas directement chez Héricroix Roy? Non, je passe par une centrale. Ouais, c'est ce qui me... Parce que quand j'étais allé le voir, j'avais demandé... Et... Non, non, pas indirectement. Non. Moi je me fais livrer tous les jours de ces légumes, hein, quasiment. C'est Pomona qui te le fait, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais. Du coup, ils livrent là-bas tous les jours et puis bah ça repasse, moi je les commande et au final, je me les fais livrer le matin quand j'arrive, c'est génial. J'avais été le voir là. Et... Ouais. Bah, je le connais pas du coup, je prends pas mal. C'est quelque chose de fabuleux. Ah, je pense que ça vaut le coup d'aller lui rendre visite. Ouais, j'irai le voir, je pense, à l'automne, là, dès que j'aurai un petit peu de temps. Parce que... Ouais. Fais le jus de vin. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Alors on va retrouver juste ici donc le demi homard bleu rôti donc de nos côtes bretonnes avec cassis frais au porto, une mousseline de jeunes pousses d'haricots verts, salade de jeunes pousses d'haricots verts, tuiles sarrasin et sur le côté on retrouve donc la bisque de homard. Et le petit bouquet que vous avez sur la mousseline, on sera de l'astine à cresse, c'est légèrement anisé. Merci. Alors pour l'agneau, donc il est juste rôti avec la croûte d'olive noire. Vous retrouvez la petite déclinaison autour de l'aubergine avec mini aubergine rôtie, mousseline d'aubergine fumée, et également la petite pastilla d'épaule d'agneau confite et la harissa maison juste à côté pour accompagner. Monsieur donc le Saint-Pierre qui est servi avec les cocottes Paimpol, les coques et artichauts foie gras et la petite sauce émulsionnée, donc le Saint-Pierre. Bien sûr notre spécialité, la petite pomme purée. Avec le lait ribou, un pré-dessert qui est un riz à l'impératrice accompagné d'une déclinaison autour de la myrtille. Sur le dessus, vous avez un sorbet noix de coco et sur le côté, le croustillant caramel. Bonne dégustation.
Tu es tombé ? Oui, à l'estrade. Alors madame, pour le dessert, vous êtes ici sur la déclinaison autour du citron, avec en dessous un biscuit au baie de genièvre, sur le dessus le croustillant cassonade avec à l'intérieur crème citron. À l'intérieur vous avez également le granité citron et basilic, et sur le côté le sorbet citron éteint. Pour vous messieurs, vous êtes ici sur le dessert de notre terroir, avec les coques en chocolat noir, le biscuit éponge à l'estragon, vous avez également la glace au foie et miel de Val-de-Loire et une émulsion au pétillant de sureau. Ici, pour accompagner, vous avez les petites mignardises. Ici, c'est une panna cotta à la verveine, accompagnée donc en dessous d'une gelée à l'abricot. Ici, vous avez des caramels mous beurre salé. Et ici, pour terminer, vous avez des petites guimauves à la liqueur de fraise. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci.